Oh non, tu vas pas recommencer avec ton régime. Mais enfin, c'est pas un régime, c'est la base d'une alimentation équilibrée. T'entends du Rudy, 5 fruits et légumes par jour. J'ai pas besoin de ça, mes analyses du côlon sont parfaites. Eh ben justement, si tu veux que ça dure, il faut surveiller ton alimentation. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas les pamplemousses, ça me donne des brûlures d'estomac, surtout entre les repas. Tu comprends pas que c'est pour ton bien? Tu me fatigues, Oh. Enfin, vous l'avez entendu, là, mais il est incroyable. Tu crois que je me balade dans ta chambre sans culotte? Ouais. Mais t'es un gros dégueulasse. Je passe à côté de toi et tu te dis peut-être qu'elle a pas de culotte? Je me dis pas ça non plus. Eh ben, t'as raison. Parfois, j'ai pas de culotte. C'est dégueulasse de faire ça, jouer avec un mec qui se retient depuis je sais pas combien de temps. Mais pourquoi tu te retiens? Tu fais ça parce que t'as la trouille? Tu préfères me regarder passer en tirant la langue? T'es la pire fille que j'ai jamais connue. Et tu sais quoi, la prochaine fois, je me baladerai toute nue pour te faire bien baver. Voilà, t'es contente là? Un peu déçue quand même. Après Céline Frémont et Vincent Chemette, les prochains maris du Mistral, Luna Torres et Guillaume Lizerman. Ah, t'es contente de te faire ridiculiser en ligne là? Je trouve pas ça ridicule. Pourquoi pas? Bah écoute, arrête. Mais quoi, arrête? Pourquoi Céline Frémont y aurait droit et pas moi? Écoute, t'es pas le genre de fille qui se marie, toi. Ah, d'accord. Quoi, tu veux te marier? Non, pas du tout. Voilà, pourquoi tu fais la gueule, hein? Ah, mais je ne fais pas la gueule. Je suis ravie d'apprendre que je ne suis pas le genre de fille qu'on épouse. J'ai un truc pour toi. Ça m'étonnerait que tu me jettes. De toute façon, j'arrête pas de penser à cette opération, je vais peut-être crever. Mmh. Tu sais, si tu veux revoir tout ça, t'as intérêt à être éveillée. Et en forme. Ouais, c'est sûr que vu comme ça, attends, fais voir encore. Non, je voudrais pas emballer ton petit cœur d'amour. Encore. Je passe te revoir demain? Ouais. T'as vu mes seins? Il va falloir que je change de soutien-gorge, j'ai dû prendre 2 tailles au moins. Tu vas venir avec moi? Attends, je crois que t'as pas compris là, mais il faut que j'aille bosser, moi. Oui, je sais. Tu sais, je vais quand même pas essayer des sous-vêtements toute seule. Ce serait dommage. Bon, écoute, je me débrouille, je vais bien trouver un moment pour t'accompagner. Oui.